Bonjour, c'est Kadi, bienvenue sur Kadi Gaming pour l'épisode 15 du Let's Play de Minecraft les Sauvages en compagnie de Farah, Kaya, Rick et TVH. Coucou. Alors, beaucoup de spectateurs dans cette vidéo parce qu'on va passer à quelque chose qui est un peu chiant en fait, faut être honnête. On a commencé à creuser le trou pour ceux qui ont suivi l'épisode 14. On avait déjà démarré vite fait dans l'épisode 14. TVH a bien avancé. Non, c'est pas le même. C'est dégueu. Non, c'est pas le même trou. Là, on change de trou. Pourtant, il était gros le trou de TVH. Tu l'as demandé avant, quoi. Non, parce que Farah, il aime bien qu'on change de trou d'habitude. T'avais pas vu le trou de TVH ? Attendez, parce que là, ça va tourner en épisode dégueulasse. Ah non, j'ai pas vu le trou de TVH. Il y a un épisode dessus. Ah, puis alors, il a insisté pour que tout le monde le voie. Et là, il change de trou. Non, mais là, je trouve pas ça normal, c'est qu'il change de trou sans lui demander. Alors, on va arrêter les blagues un peu suspectes, c'est ce que je viens de dire pendant que vous étiez en train de parler. Parce que en plus, c'est Kaya qui est là. Alors là, je vous dis pas le cauchemar, il va enchaîner, ça va faire des histoires avec des rivières, des machins, on s'en fout. Donc, on va démarrer cette vidéo, s'il vous plaît, avec une petite avancée, hein, parce que TVH a environ fermé pendant 4 heures, environ, hein, du coup, la louche. Hein. Total, ouais. Il a fermé, il a fermé à la louche. Ah, voilà. Avec une louche, putain. Moi j'ai fermé aussi pendant. Il a vidé le lac. Moi j'ai fermé pendant 1h30 environ, du coup, 1h30, 2h, hein, pour faire un local total. Pas la louche, à la pelle et à la pioche. D'accord. Et en l'occurrence, on va vous montrer ce que ça fait. Ici, vous allez voir, c'est magnifique. Enfin, magnifique. Ah, c'est magnifique. Non, c'est pas beau. En fait, c'est pas beau parce qu'en plus, voilà, le sol est en cobble, c'est dégueulasse. Et le reste, c'est ce qu'on a trouvé à cet endroit-là. Donc, du coup, c'est pas. Génial. Cependant, il y a quand même un truc qui est super intéressant, c'est que j'ai commencé à poser, comme vous voyez... Oui, les déchets des anciens propriétaires. Vous vous posez la question, pourquoi en fait il y a une rangée de cobble en haut et en bas? Pourquoi? Parce qu'en fait... Pourquoi? Je vous rappelle que les dimensions de notre base qui sont ici, on compte les murs dedans. Donc là, en fait, ça veut dire que là, il y aura un mur entre chacune des blocs de cobble en dessous là et ici. Et comme du coup, on fait pareil avec le plafond... Bah du coup forcément en fait ça c'est dans le coin, c'est dans l'angle, on va pas le voir. Donc du coup j'ai commencé à poser de la cobble pour éviter justement de m'emmerder à poser des blocs, des vrais blocs qui nous intéressent, notamment du bois et de la pierre, parce qu'il y a de la pierre cuite cette fois, c'est ce qu'on a prévu de faire. Oh, bah, donc, carrément, boulot on se prive pas, on se refuse de rien. Boulot de la journée, ça va être en fait de faire une jolie baie ici, voilà, et comme ça une on jolie baie pour regarder. Une Baywatch. Ouais. D'accord. Merci. Capillotracté, celle-là. Tu vas mettre du verre dedans? Je sais pas, c'est une baie vitrée, non? Oui, exactement. Okay. Et incroyable, on va mettre du verre. Donc, il y aura du verre, de la pierre et du bois. C'est ce qu'on a prévu de faire. On va voir ce que ça donne. Et puis, nous, après, comme ça, l'intérêt. Alors, déjà, il faut aller dormir, là, parce que là, je vois que c'est la catastrophe, là. Alors, je sais pas si. Est-ce qu'il y en a qui sont loin parmi vous? Ben, je suis là. Ah, tu es là. C'est-à-dire? Derrière toi. J'entends dormir, moi. T'es très loin. Voilà. J'avais mis Dodal en fait, je vois qu'il y en a qui sont déco, qui sont revenus, qui sont du coup, alors je sais pas. J'arrive. 2 sur 3. J'arrive. Voilà. Alors, Dodal, pour ceux qui se posent la question, c'est le singulier de Dodo. Un Dodal des Dodos. On l'a fait souvent, ça je sais, mais je précise quand même pour ceux qui vont dire. C'est... Pourquoi t'as écrit Dodal? Bah, un Dodal des Dodos. Hein, Kaya? Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire, Kaya? Tu vois. je savais. Vas-y, Kaya, lui, il est pas du tout sur le Let's Play, il est en train de jouer à Ark, ça n'a rien à voir. Au passage, il joue à Ark sur les serveurs Gadu Gaming. Pour ceux que ça intéresse, hein, vous avez le lien en description. Hein, C'est pas vrai, il y a des serveurs, mais c'est merveilleux. Ouais. C'est un peu comme une pub, tu vois. Le type fait, mais oui, je te l'avais dit. Et pour ça, n'hésite pas à contacter www.gadugaming.com sur ton navigateur. C'est ça. Et c'est aussi une grande communauté avec plein de jeux. Il ne faut plus qu'un slogan. Il y a d'autres jeux disponibles. Chez Gadu, ça pue pas du cul. C'est pas mal ça comme slogan. Putain, le slogan c'est quoi de merde. Chez Gadu, ça pue pas du cul. Hé hey, attends, t'es gentil, je viens d'y penser en 2 secondes. Alors vas-y, trouve-moi un truc mieux. Ah bah oui, en 2 secondes, tu peux y penser qu'à ça. Attends, j'en ai un autre. C'est j'en le un slogan autre. Qui sent un peu là. J'en ai un autre. Alors, écoute bien. Chez Gadu, farapu. Hein, c'est moins bien. Ah, elle fait moins rire celle-là. Hein, t'as non, vu, non, tout sinon, à coup. C'est moins bien. Puis c'est réchauffé, surtout qu'on l'avait déjà entendu il y a 2 secondes pour un autre. Mais. Chez Gadu, on n'en peut plus. Il recycle des idées. Hein. Chez Gadu, non. Connard, là. Alors. Pour info, je prends tout ça. Déjà, mon armure, pourquoi elle est là? Parce que ça évite de la casser. Sinon, à chaque coup, en fait, mon armure se casse. Et notamment les pieds en Phaser Full Line 1, là, bah, du coup, ils se cassent. C'est de l'or, donc ça va très vite. De deux, pourquoi je prends du verre? Parce qu'on va faire la baie vitrée.
Et donc, vous voyez, j'ai un lot de pelles et de pioches qui sont avec moi. On va commencer par faire ça. Alors, évidemment, on n'est pas à l'abri que finalement on change d'avis, etc. Je vais faire mathématiquement, on va dire. Oula. On remet un Serraric pour son ascenseur hein, descendant. Et là-bas, il y a un ascenseur montant. Ouais. Puis profitez-en parce qu'il a dit qu'il allait le virer. Oui. Oui, ça, on va le virer, ça, c'est sûr. Ça va gicler, ça. Voilà, bah voilà, tu vois. Alors, il dit ah, merci. Gna, gna, gna. Voilà. Putain, derrière, fou. La flotte, je voilà. Savais que ça allait faire ça. Alors. Il y a besoin de moi. Pour c'est une question non, c'est pas besoin de toi, c'est bon, tout va bien. Ok, donc j'ai le droit de rester derrière toi et regarder tout ce que tu veux. Ouais, totalement, totalement. Par contre, il y a juste une question à la con. Attends, il va faire rentrer le. Eh bah voilà, il va faire rentrer le dauphin dans y a le deux... C'est ce que j'étais en train de dire, c'est quoi le bruit de dauphin là qu'on entend? C'est un bruit de dauphin ou t'es peut-être sortir, il va sortir. Je pensais que c'était un bruit de perroquet. Bah tiens, on l'a oui, bien sûr. Il est à l'intérieur. Non, tu veux qu'il sorte du truc, mais plus tu l'enfermes avec des boîtes de gars. Là, il va crever, j'en ai rien à foutre. De toute façon, il peut. Bye bye, le dauphin. Tu le mets de l'eau, mets-lui de l'eau hein, si tu veux pas qu'il crève. Hein. Parce que là, je vais rouvrir si tu veux, mais je pense qu'il va pas revenir. Hein. Non. Il va revenir ou quoi? Ah, il est mort. Je donne un bruit là, comme s'il mourait là. Non. Il se tient. Je viens de casser ma pelle au passage, mais c'est pas grave, j'en ai une deuxième. Tout va bien. Il se tire. Alors par contre, il y a un truc qui m'embête énormément, TVH, c'est que tu vois, les blocs qui sont en train de tomber. Est-ce que tu aurais de la sandstone avec toi? Non. Alors, tu sais quoi? J'ai besoin de sandstone. Est-ce que tu pourrais me donner un stack de sandstone, s'il te plaît? Je vais t'en chercher. Alors du coup, on est en train de péter le décor que j'avais fait. J'ai mal calculé. Je sais pas cet épisode est vachement bien préparé. Oui, l'épisode, là, voilà, je m'attendais un petit peu mieux, là. TVH. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épisode? Je t'ai demandé si t'avais besoin de moi et t'as dit non. Bah là j'ai besoin de toi là. On va gagner un peu de temps. Alors c'est pas la mort. Et les gens dans ce channel sont je me tire. Alors quand c'est en dessous comme ça c'est plus du tout un problème les viewers. En fait ce qui fait chier c'est juste la couche de sable qui roule là. Qui va nous poser un sacré problème. Parce qu'après qu'on aura posé en fait de la sandstone partout, ici là. Le sable là il va descendre. Là je vous garantis qu'il va descendre. Tu as longtemps un dauphin? Il vit toujours le dauphin là? Oui. Tiens, un sandstone. Voilà, on a fait du terraformage juste derrière. Bah... Bon, mais c'est pas grave, son TVA, je vais ressortir pour poser la sandstone. Oui, bien sûr. On va faire ça allait plus vite. Alors, vous inquiétez pas, ça va être un peu chiant là, voilà, les quelques secondes là où je fais ça. Comme il n'y a pas 10 000 blocs, vous avez vu, on est juste allé jusque là, ça va être rapide. Hein. On va pas s'embêter. Bon, je sais pas combien de blocs j'ai mis là, bordel là. Alors, pour info... Putain, mais sans déconner, il y en a combien comme ça? Il y a une pyramide ou quoi de sable à cet endroit-là? Faudrait aller voir au-dessus. Alors, c'est quoi, petit boulot pour toi, t'es vache, tu me posais la question si t'avais besoin de moi. Il faudrait reboucher le trou que je suis en train de faire, là. Mais je pense que ça va être très visible, parce que du coup, on aura un grand trait, parce que j'ai fait une ligne. Donc t'as plus qu'à reposer du sable dessus, à terraformer vite fait, tu vois, pour que ça se voit plus. Mais pas maintenant, hein. Tant que j'ai pas posé la sandstone, ne le fais pas. Où est la sandstone, par contre? Derrière toi, hein. Ah oui, effectivement. Là. Attends, un stack, on avait dit. Je sais pas, je t'ai donné un stack. Ouais, c'est très bien, un stack. Voilà, comme ça va être fait. J'ai plus qu'à poser après, vous avez vu le verre en dessous, et ça va être très simple aussi. Et après, on va choisir. Il manque un bloc, là, tiens. Voilà. Si on casse ou pas. C'est toi, putain, qu'est-ce que c'est vous là, il y a un truc qui sort là. Alors. C'est un peu chiant. Il y a un truc qui sort. Je savais qu'Aya allait réagir. Voilà. Ah, ben, merci, Kaya. Elle est derrière. Donc, là, ça m'a fait plaisir. Il nous manque un. Voilà. Je mettrai de la sandstone en bas. Voilà. Mais en fait, si on met de la sandstone en fait à cet endroit-là, après le reste est bon. Hein. Ouais, mais pourquoi que ça fasse moche pour moi? C'est la sandstone, ah oui, il y a la dernière couche. C'est ça? Ah, tu commences à être maniaque comme moi, toi. Non, je sais, dégueu le sable. Alors, mais non, mets pas les... un peu maniaque, mais... non, mets pas les torches, hein, parce que pour info, ça... forcément, il y a l'eau qui va couler encore là. Encore que là, non, pas forcément. Ouais, voilà, parce que c'est protégé, nickel. C'est vrai que le sable, c'est une plaie quand on fait des trucs comme ça. On voit rien, alors désolé, viewer, dans un instant, on va voir. Voilà, on enlève tout le sable qui nous embête. Jusqu'ici, déjà. Par contre, j'ai pas 36 000. Ouais, sinon, oui, en fait, on a plus besoin. En fait, je suis con, j'attends de lever le sable, mais en fait, on a pas besoin de remplacer. Ce qui est important, c'est juste qu'on remplace avec du verre. Ce que je vais faire désormais maintenant. Alors attention parce que là on va arriver dans la zone chiante, hein, tu vois, on va retourner dans la flotte. Et après on va se poser des questions TVH. Parce que cette baie vitrée c'est un peu notre objectif perso, ça n'a rien à voir avec la série. Je rappelle que la série le but c'est de faire une collection d'animaux, de tous les animaux du jeu. Voilà.
Ouais, je pas du tout de profiter de la 1.19. Pas du tout. La 1.19, ça c'est en plus. Parce qu'on a raté des choses. J'ai bien dans les commentaires, il y en a plusieurs qui ont dit les azalées là en dessous, là il y a un biome, je sais plus quoi. En fait, on a même pas été voir. Hein, la TVH, je pensais que toi qui étais bon en Minecraft, je suis déçu. En azalée. J'ai pas découvert une modification de la 1.19. Et ben en dessous les azalées qu'on a vu là, je sais plus dans quelle vidéo, et ben il y avait plein de. Il y avait un nouveau biome. Ah ben j'irai voir, il y en a à côté. Voilà. Bon bah écoute. Là, on repose une rangée. Et tu fais ça jusqu'au bord, c'est ça là. Ouais, c'est là, et le problème c'est que, à mon avis, jusqu'au bord, tu vois, ça va, c'est clair. Mais c'est pas grave, ceci dit, ça coule, c'est pas grave, on a de la sandstone en haut, donc c'est facile de reposer des blocs. De toute façon, c'est normal, le but c'est qu'on ait une baie vitrée, hein. Le but c'est pas que... Voilà, on va faire ça. Stop, non, c'est le coin aussi. Non, pas le coin, excuse-moi, pas le coin. Mmh. Pour le moment, on fait pas le coin. Je sais pas si je l'ai fait de l'autre côté, je crois que je l'ai fait de l'autre côté. Parce que là, en fait, c'est censé être la structure. Bon, allez, allons jusqu'au bord. C'est quoi? Allons jusqu'au bord. Voilà. Est-ce qu'on est fou? Je vais faire ça. Boum. Voilà. Boum. Donc, tu veux que je passe de l'autre côté pour dégager le but? Alors, comme tu dis, effectivement, la couche du dessous, si on met pas de la sandstone, effectivement, ça fait dégueulasse. Là, il n'y a pas photo, puisque du coup, on voit avec les blocs de verre ce qu'il y a en dessous. Donc, sandstone, c'est le minimum. Encore et après, effectivement... Différent. De l'autre côté, la question c'est est-ce qu'on enlève tout et du coup on fait une grande baie vitrée tout le long, ou est-ce qu'en fait on garde une partie, mais moi j'ai envie de tout défoncer. Elle l'a foutu. Où est-ce qu'elle a foutu le casque? Ah, c'est là, tu parles de Huawei encore, ça je le sais. Merci, c'est la seule fille de l'équipe. C'est vrai que c'est dans le principe, c'est pas tout à fait con. Oh. Non, voilà. Je crois qu'elle la garde sur elle, on va taper. Donc si je fais ça, les viewers. Alors, c'est non, je voulais son casque apnée, mais moi je vais chercher une porte. Ça fait tellement con. Si on fait ça, du coup, le mur qui est là. Les travaux, okay, je vais chercher ma porte. Besoin d'aller dans les profondeurs, on met une porte. Prenez votre porte. Et ça, le reste, on touche pas en fait, ça c'est déjà une mur. Porte. Ça c'est une mur, faut pas toucher. Donc, du coup, je vais mettre des petites torches là pour éviter que ça spawn, parce que sinon, vous allez voir qu'il y aura des creepers dans notre maison. Voilà, comme ceci. Et maintenant, pour les viewers, parce que là, on a fait le... Oula, d'ailleurs, je vois que ça commence à se dégager, là, je vois, là. Il y a TVH qui est en train d'agir. Alors, pour info, je vais juste en... Bonjour. Faire ça à la place, et ici, je vais mettre... C'est quoi ce bruit, là? C'est un dauphin. Il y a un dauphin, là, maintenant? On l'a pas free kill. Non, il y en a d'autres. Voilà. C'est quoi c'est... Alors, par contre, là, je crois que t'es en train de créer des courants. Faudra voir. Je sais pas si en fait ça crée des courants ou pas. J'imagine que. Si, parce que t'es au sol, tu tombes au sol là, non? C'est naturel ou c'est. Naturel. Ouais, donc il y a un courant, tu vois. Non, alors peut-être. Il y a la gravité. Je sais pas. Bon, bref. Peu importe. On réglera le problème de courant après, les viewers. Il suffit de foutre des seaux d'eau de flotte. Hein. Et problème réglé, voilà. Donc il y a un petit peu de travail, mais voilà. Le principe, c'est que cette baie vitrée de 4 de haut là. Alors, tu... dans le coin, tu peux y aller aussi au passage à TVH. Le coin qui est là devant moi là. Ah oh, joli. Ouais. Et le tour d'ailleurs, tu peux faire aussi le bloc qui est à droite. Bah lui voilà, et plus les trois blocs qui sont à droite là, voilà, ces trois là. Voilà, après tu touches plus, c'est bon, nickel. On touche plus, on laisse ça comme ça. Ça paraît pas mal comme ça. Ça on a une belle vue, vous avez vu. Même si on aura un mur là, hein, je vous rappelle, il y aura un mur qui va arriver là. Alors évidemment je vais pas le mettre avec de la cobble, sinon ça va faire crade. Mais sinon, alors là par contre là, niveau baie vitrée, oulala, ça va claquer. Donc maintenant, ça c'est fait pour ça. Je vais aller ramasser tout ça, bien sûr. On va passer au mur et au sol. Alors, on a décidé, on va voir si c'est bien ou pas. Parce que si c'est pas bien, on va tout de suite arrêter nos conneries. Il y a Rick qui vient de crash, là. Ouais, bah ouais. Voilà. On dirait. Bah, je t'informe, au cas où tu sais pas. Si, bah, j'arrive pas à taper dans le bench. Bah voilà, bon, écoute, je pense que... Ah, tu viens de rejoindre, d'accord, ok. Je pense que t'étais juste buggy, en fait, tout court, tout seul. Hein. Je suis pas sûr que... Enfin, ah, j'ai les dauphins qui jouent avec mes blocs. Un problème avec mes blocs. Ça veut dire quoi ça, Farah? Rien, il y a un dauphin qui joue avec ses blocs, ils jouent avec ce qu'ils veulent, les dauphins. Ouais. comme dit Rick. Ses blocs. C'est comme ça que t'appelles ça? Alors, on va prendre les blocs. Il y a des blocs normalement de pierre qui sont plus là d'ailleurs. Qui a enlevé les blocs de pierre? J'ai pris sûr, moi. Bah, pourquoi tu les as pris? Parce que je pensais que tu voulais que je commence à déjà... Au passage, attends, il fait nuit, là il faut aller dormir là.
Il nous faut des blocs de pierre et du bois. Alors, on va pas faire tout, parce qu'en fait, sinon, ça va nous coûter trop, en tout cas, dans cette vidéo. L'idée, en fait, c'est que vous ayez un aperçu, les viewers, encore une fois. Comme ça, vous allez voir comment on va faire nos... du moins, notre étage. Merci. C'est parfait. J'arrive. Vas-y, Eric, si tu veux. Je suis là. Et après, bah, du coup, en fait, bah oui, on va pouvoir farmer hors vidéo. Je pense qu'on va faire après tous les étages pareils, en fait. Mis à part que, évidemment, nos étages, je rappelle qu'il y aura des animaux et des plantes. Donc le sol va être un petit peu différent. On se demande s'il n'y aura pas des blocs d'herbe. Il nous faut une silk touch TVH. Pour l'herbe. Ouais, parce que là, c'est... ou alors il faudrait qu'on descende l'herbe. C'est possible, hein, faut qu'on fasse ça. Ah, ok, on a un peu continent. Ça va être chiant sinon, hein, mais si t'as une silk touch, c'est parfait. Oui, donc, déjà. Pour les viewers aussi, comme vous avez vu ici, il y a deux choses à faire. Merci pour les blocs, donc c'est, les blocs déjà c'est bon. Deuxième chose, comme vous voyez, en fait là on est dans le mur. Ça c'est le mur, et en fait notre descente elle est dans le mur, et là-bas notre montée elle est dans le mur. Bon, je vous ai montré comment on montait rapidement, hein, c'est grâce au bloc de Soul Sand, et là c'est grâce au bloc de... Comment il s'appelle le bloc orange? De magma. Magma, bon, d'accord, voilà. Ça permet de descendre et l'autre de monter. Donc, revenons à nos moutons, ce que je vais faire, j'ai posé des blocs ici, ça va correspondre à notre sol. Alors pour ceux qui se posent la question, nous avons un 4 de haut, hein. Vous avez vu, on creuse 6 en fait, plus un sol en cobble. On fera ça à tous les étages, 6 de haut, pour coller un plafond, un sol et 4 au milieu d'air, et un bloc de séparation en cobble. Pourquoi on met un bloc supplémentaire? Pourquoi? Du coup, il y a 3 blocs, hein. Il y a le sol de l'étage au-dessus, il y a le séparateur, et il y a le plafond de l'étage du dessous. Ça fait 3. Pourquoi? Parce que si jamais il y a de l'eau, par exemple, ça ne goûtera pas, on ne le verra pas. C'est vraiment histoire d'avoir des étages vraiment indépendants et qu'on soit pas gêné par l'étage du dessus en disant ah merde, au-dessus il y a ça, donc du coup je peux pas le faire. Notamment, par exemple, si on pose, vous avez vu, des blocs d'herbe, des blocs de culture, on voudra faire un petit bloc, un petit trou pour mettre de l'eau. Voilà, on aura la cobble qui va nous empêcher en fait de... Voilà, je vais aller jusqu'ici. On va pas aller forcément aller plus loin, juste une rangée de 4 suffira. On va dire ça. Voilà, comme ça, on reculera pas juste et on verra pas le ce qu'il y a derrière. Et là, il y a un noyer, je pense. Oui. Voilà. Alors, heureusement que t'as beaucoup de sandstone, j'allais dire. De stone brick. Alors, c'est toi qui les as fait, les stone brick, parce que c'est moi qui cuis la pierre, en fait, hors vidéo. Oui, c'est ça, je m'en suis servi. Tu t'en es servi aussi? Ah merde. Bah oui, je me suis servi des tiens. Pourquoi faire? Ah oui, pour faire les stone bah, brick. Oui. Voilà. Donc on va juste faire ça comme ça, encore une fois, nous on va répéter. Alors il faut savoir qu'il y a 31 blocs sur 31 blocs, puisque du coup il y a 32 avec ce mur-là et 33 de l'autre côté, donc 33 sur 33. Donc il y a 31 x 31, ça fait donc, Farah, 31 x 31, ah. 961. J'allais dire, mais si t'allais dire avant moi. Donc 961 blocs qui correspondent du coup à peu près à 15... Il ne me laisse jamais répondre. Ouais, il est jamais temps de réfléchir. À 15 blocs en fait, c'est ça, c'est, oui c'est 15. 15 stacks. De 15 stacks plus 1 en fait, exactement. Donc 15 stacks, vous avez vu, avant qu'on cuise ça, on fait 15 x 8, du coup on en a pour 120 charbon, avant de les avoir aussi, c'est une autre histoire. Bref, donc je vais. Après, je peux en poser peut-être un peu plus si vous voulez, hein, si vous voulez avoir plus de. On va poser 2 rangées en plus déjà pour commencer. Voilà, allez, parce qu'on a tout ça. Au pire, on les cassera nous hors vidéo. Ce que je veux, c'est que vous ayez un bon aperçu en fait du truc. Et pour ceux qui se posent la question, mais comme Bobby, parce que Bobby s'est posé la question, mais attends, les murs, tu les comptes pas, les murs, on les cassera après, on remplacera. Bah ouais, mais du coup, en fait, dans la vidéo, du coup, bah, ça se pose beaucoup moins vite, quoi. C'est pour ça que moi j'ai dit, non, on casse aussi les murs, les sols, etc. Comme ça, il n'y a plus qu'à poser, c'est-à-dire, bah, vous avez vu, hein, tout est déjà prêt, on s'arrête juste à la cobble, puis on repart, puis ça y est, quoi. Et puis c'est beaucoup plus beau, quoi. Je sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout comme ça, mais c'est pas grave. On va faire ça. Ça veut dire. Vite comme ça que de faire comme je le fais. Voilà, pareil de l'autre côté, on va enlever les torches évidemment. Voilà. Je sais pas si on va aller jusqu'au bout. Le problème c'est qu'il y a 31 encore une fois, donc je veux dire, je pense qu'on est... Ouais, voilà, ça passe. Bon, il me reste 8. Je vais pas les poser maintenant, les 8. On va juste poser ça. Vous allez voir que ça va prendre forme et ça va être juste magnifique. Voilà, donc là vous avez vu la vue sur l'océan, c'est génial quand même ce qu'on fait là. Magnifique. Voilà, il faudrait juste virer les courants d'eau là. Mais sinon là on est. Que les courants d'eau ça va être, bah, les courants d'eau qui sont créés naturellement à ton endroit là, j'imagine. Bah c'est les portes qui font ça. Non, sans parler des portes. Moi j'en vois pas. On verra s'il y en a, peut-être qu'il y en a pas, tant mieux, ça m'arrangerait, mais. On le checkera parce que j'aime pas les courants, moi. On se balade dedans, si on voit qu'on a tiré en haut, en bas, à droite, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc ça c'est fait. Il nous reste maintenant à faire les murs, les viewers.
puis à refaire en fait l'endroit, notre entrée. Je vais donc poser un bloc, j'ai enlevé tous les échafaudages, tout ça, on va enlever tout le système de Rick là. On le remercie hein, pour ce qu'il a fait, mais on va garder l'astuce qu'on va mettre de côté, malheureusement. Et ce qu'on va faire, on va mettre un point central qui va être fait avec des échafaudages là pour indiquer que c'est ici. Rick pourra éventuellement recréer ses ascenseurs et ses ascenseurs inverses. Hein. Mais oui, c'est un peu chiant à créer, j'avoue, mais le problème c'est que là, en fait, on est dans le mur, Rick, donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça va sauter. Donc, pas trop le choix. Le bois, t'avais dit qu'il y avait du bois à TVH, c'est ça? Ouh là, oui, il y a beaucoup de bois là, ouh là là. Alors, je vais pas... C'est pareil, je vais pas trop en abuser, parce que sinon, après, je vais juste prendre 3 stacks, ce qui est déjà énorme. Parce que 3 stacks, ça en fait 12 en fait, peut-être qu'en fait, on a même pas besoin d'en avoir plus. Vous savez quoi? Alors, les viewers, je vais faire ça. Voilà, pas plus. On va essayer de déposer, j'imagine, à peu près tous. Il nous en reste, c'est pas grave, hein. On va l'utiliser parce qu'il y a d'autres étages. Donc juste, je vais pas tout transformer. Je vais transformer 2 stacks entiers. Voilà. À mon avis, en fait, on a tous les murs à faire qui sont ici. Donc le sol, vous avez vu que c'est compliqué, les murs, c'est un petit peu moins compliqué. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est au minimum. Alors, ces murs-là, je remplace pas, je laisse le sable et tout, c'est naturel, en fait, c'est l'extérieur. Par contre, il y a une connerie que j'aurais dû faire depuis le début. TVH, t'auras pas d'autres sans machin brique, là? Non. Merde, putain, fait chier. J'ai fait la connerie. On n'avait pas dit qu'on mettait ça au plafond aussi? Non, c'est peut-être, je sais pas. Mais c'était l'idée à entraîner. Parce que là, en fait, on n'a pas l'idée de ce qu'on va mettre au plafond. Le problème, c'est que la stone brick, pardon, la stone brick, en fait, bah moi j'ai déjà utilisé, en fait, j'ai tout mis au sol. C'est pas grave. C'est pas grave, je sais pas si c'est pas grave, mais bon. Alors, comme les viewers, ça va super vite, je pense que je vais poser tous les murs, voilà. Mis à part quelques petits fails que je suis en train de faire, jusque là. Et puis après, on va trouver notre point central et on va poser nos échafaudages, vous allez voir. Je vais faire ça très bien, comme je fais toujours tout très bien. Hein, Farah ? Kaya, pardon. Kaya est plus là, je pense. Elle est partie, Kaya ? Il a pas dit Kaya a décroché. Kaya ? Non, elle est peut-être là depuis 5 heures. Hein. Mais il a pas dit au revoir ? Et les viewers, du coup, ils vont dire, mais Kaya, où c'est qu'il est? On est inquiet. Il va peut-être revenir, on sait pas. Hein. Ah, peut-être. Peut-être. Voilà, en tout cas, oui, je pense que j'ai bien calculé cette histoire de stack que j'ai transformé, les viewers, vous avez vu? Parce que là, en fait, on arrive là. C'est pas trop mal, à mon avis, mais on restait un stack au passage. Donc, c'est pas mal. On va vérifier. À peu près, j'ai compté à la louche, encore une fois. Je compte toujours à la louche. On va enlever les blocs qui sont en trou à la main, je sais, j'aurais pu avoir un nuage pour aller plus vite, mais j'ai pas de nuage, donc du coup on fait ça à la main, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc on va pas pleurer. Et vous allez dire ce que vous en pensez, Rick et TVH du coup. Alors autant le bois de la jungle là, c'est pas mal sur les côtés. Après on va faire des cloisons aussi. Par contre le plafond, je sais pas quoi faire. On peut faire un cloison au sandstone hein, si vous voulez, hein, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour garder un peu le décor, c'est rarement vu de faire un plafond en sandstone. Ça fait un peu sable quoi, un peu, tu vois, sable avec le mur en bois de jungle, là, ça peut être pas mal, non? Vous voulez qu'on essaye ça? Pas. Je sais pas trop si ça va rendre bien, mais je pose la question. Parce qu'après c'est libre, hein. Les viewers, si vous avez une idée, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Alors oui, comme on a beaucoup d'avance sur les vidéos, le temps qu'on s'en aperçoive, à mon avis, sera déjà fini, enfin c'est pas grave. Oui. Mais proposez au moins l'idée, après ce sera utile éventuellement pour d'autres personnes, si jamais il y a besoin. Quoi. Oh le bordel dans la flotte. Après le débat. Ça pourrait faire un débat, effectivement. Ok, donc là on a encore un trou pour passer à l'étage du dessous. On va changer ça, vous inquiétez pas. Hein. Je vous le redis. Et la pollution dans l'eau. Voilà. Ça va être fait. Et puis après, bah, je pense que... Alors, je sais pas si on fera une vidéo avec la salle des coffres. Alors, ce que j'imaginais, moi, en fait, c'est qu'on passe au milieu. En fait, on descend au milieu, mais au lieu de passer sur les extérieurs, bien en plein milieu. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que derrière, on fait toute une salle des coffres. Donc, c'était à peu près... Là, si c'est le milieu, est ici. Bah, tout ce qui est de là, on crée un mur, en fait, de là à là. Tout ce qui est cette partie-là, en fait, c'est la salle des coffres. Et tout ce qui est devant, en fait, bah, c'est notre atelier. C'est, voilà, on en a largement assez de quoi faire. Et en salle des coffres aussi, je pense. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas, je parle des autres, là, qui sont avec moi. Sans y revenir, après, le but, c'est déjà qu'on ait de l'espace. Après, un meublé, ce sera pas un problème. Hein. Je vous rappelle hein, pourquoi on a fait des pièces de cette taille-là, précisément. C'est par rapport aux cultures. Hein. C'est pour avoir, en fait, 3 blocs. 3 espaces de 9 sur 9, avec 2 séparateurs entre chacun. Donc, un 9 sur 9, 2 de séparateurs, donc ça fait 11. 9 encore, ça fait 20.
2 séparateurs, donc ça fait 22. Encore 9, ça fait 31, d'où les 33 qu'on a. Voilà, parce qu'après on a compté les murs. Un mur de chaque côté, donc 31 plus 2, 33. Ah, Farah. Ah. Qu'est-ce que je viens de dire, Farah? Tout ça, plein de trucs. Voilà. Encore des calculs. Il y en a qui n'écoutent pas. Et qui ne laissent jamais réfléchir, alors voilà. Je sais, j'avoue. Le problème, c'est que moi, dans ma tête, c'est très clair, donc forcément, je l'expose. Je vais assez vite en plus pour éviter, pour que ce soit dynamique, en fait, simplement. Et du coup, après, on me dit, ouais, mais Gadu, on n'a rien compris. Bah, tu m'étonnes. Alors, pour info, je suis rendu à un stack de 64. Il va me rester deux stacks de bois, en fait, que j'ai transformé peut-être un peu trop, mais de toute façon, encore une fois, voilà. Il n'y a que deux stacks de bois, ça va, j'ai pas trop abusé. Heureusement que j'ai pas transformé toutes les planches que j'avais avec moi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc là, Rick va pouvoir pleurer. C'est mieux le plafond. Comment? C'est bien le plafond. Le plafond, quel plafond? Ah oui, comme ça. Ouais, moi j'aurais fait ça, ouais. C'est de la sandstone, vas-y, on recouvre le plafond. Bah, et puis on... Eh, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas mal. Ah par contre, attends, comment t'as fait pour faire ça? Ah oui, c'est pas des blocs de sandstone. Ah ouais. C'est en poli. Pour pas que ce soit craqué moche et plat, lisse. Eh ben, au passage, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que craquer, ça fait moche. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je préfère aussi quand c'est lisse. Alors, on n'a pas les mêmes textures, hein, parce que pour info, moi, je suis en texture. Je préfère lisse. Je pense que c'est pas mal. Par contre, tu remarqueras qu'il y a un bloc à l'extérieur qu'il va falloir changer. Et là, ça pose problème. C'est que la dernière ligne de sandstone, hein, qui est au-dessus du vert, elle est pas bonne, TVH. De quoi ? À l'extérieur, la ligne qui est au-dessus du vert, eh ben, c'est la sandstone non plate. Du coup, ça fait bizarre. On peut la modifier. Oui, on va la modifier. J'entends que ça commence à grogner. Il va falloir dormir. Ah, bon, il va falloir dormir. Donc, on va faire ça vite fait. Je vais terminer les viewers, les coins, etc. On va trouver le point en fait central de notre maison. Comme ça, au moins, on va virer là, tout ce qu'a fait Rick, malheureusement. Mais surtout, en fait, on aura. Le point va arriver par là, en fait. Ce sera plus simple que nos tours qui sont sur l'extérieur. Comme ça, on vire. On nettoie sur l'extérieur, là, on vire là, tout ça, là. On met un joli bloc, un joli truc. Ni vu ni connu. Et après, on peut gentiment descendre dans notre base. Enfin. Et après, on va transvaser tout ce qui est dans cette maison-là, parce que là, c'est une maison temporaire, je vous rappelle, directement dans la base. Voilà. C'est le plan qui est prévu qui me paraît pas mal. Mais encore une fois, si vous avez d'autres avis, même si on va pas forcément en tenir compte parce que on aura assez avancé, c'est pas dit, mais on verra bien, eh ben, vous pouvez toujours le dire, au moins, si ça donne des idées aux autres, hein, bien sûr. L'idée, c'est de partager ce Minecraft. Hein. On partage ce Minecraft. En tout cas, les bonnes idées. C'est vrai qu'à la base, quand on voit les escaliers qui étaient pas du tout faits pour faire des toits, beaucoup de gens qui utilisent pour faire des toits, ça c'est le truc qui n'était pas prévu quoi. Donc voilà. Alors c'est parti, je vais donc enlever tous les blocs qui sont ici. On va essayer de faire quelque chose de propre. Je vais prendre de la dirt, tiens, c'est très bien, ça m'évitera de. Boum, on va faire ça. Je pète tout ça. Putain, je réponds. Voilà. Voilà, donc là on pète les blocs d'eau. Je vais tout défoncer, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les blocs ici, là, de TVH. Bonjour. On va donc... Oh putain. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait, là? C'est quoi, ce bordel? Bah, je rentre. Attends, tu peux boucher le trou, déjà, qui est au-dessus le trou de flotte. Non, le trou de flotte, il est... Attends, une seconde. Le bouge pas, justement. Ouais, j'en reviens. Et là, tu peux boucher ce que tu veux. Alors, dit comme ça fait crade, c'est pas ça que je pensais. Est-ce que t'as de la cobble avec toi? Est-ce que t'as de la cobble avec toi, à tout hasard? Il faut un bloc de. Il faut un stack de cobble. J'ai oublié de prendre la cobble. Est-ce que t'as de la cobble? Non. Merde. Y'a personne qui a de la cobble là? Putain, j'ai de la cobble. Alors. Ah si, j'en ai plein, mais je me la garde. Par contre, comment je descends maintenant? Alors, bah redescends vite fait en fait. Non, attends, c'est quoi? Le problème c'est que moi ça va être pareil. Sinon, je vais monter, c'est quoi? Je vais monter, on va corriger ça. Donc, je vais compter le nombre de blocs, les viewers. On va faire attention, on va partir après d'ici. Donc là, normalement, il y en a 31, je vous rappelle. Puisqu'on a compté les murs qui sont ici. Et là-bas. Donc 31 incroyable. Divisé par 2, ça fait donc 15 et demi. Donc on compte 15 et c'est la 16e. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. 16, normalement c'est ici. On va vérifier derrière qu'il reste bien 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 est de côté, donc c'est parfait. Maintenant c'est dans l'autre alors, sens. Alors, je suis bloqué dans l'ascenseur pour remonter. Ah. Alors, t'es bloqué comment? T'es coincé parce que le jeu est bugué ou t'es coincé parce que t'as fait le. Non, parce que j'ai pas envie de démolir ce qu'il y a autour de moi. Ah, moi non plus, j'ai pas envie de démolir ce qu'il y a autour de toi. Donc tu vas te démerder. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, et boum, c'est ici, voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on fasse nos échafaudages. J'ai une voix, Rick. Voilà. Ah. On est en train de faire rebondir 4, des 6, blocs 6, de gravier dans l'ascenseur. 9, 10, ah, d'accord. 11, 12, 13, 14, 15, c'est parfait. Ça va marcher aussi avec, oh, ça va marcher avec le béton. Mais... Alors, ce qu'on va faire, les viewers, on va donc descendre carrément. Parce qu'on en a 11, je suis pas sûr que 11 ça suffise. À mon avis, ça va même pas suffire. On va faire ça comme ça. Le problème de ces échafaudages là, c'est que quand tu casses en bas, bon, c'est pas vraiment moi. Ah, ça se casse. Oh. Pourquoi j'arrête pas putain, attends, pourquoi ça va pas se poser au-dessus? Est-ce que c'est connerie? Il y en a plusieurs là. Oui, oui, regarde, je peux en rajouter. Attends, ah, moi j'ai un problème TVH là. Comment tu poses les échafaudages les uns sur les autres là? Soit tu t'écartes et tu poses à sa place, soit sinon quand t'es dessus, tu t'accroupis et tu cliques droit dessus. Ah, c'est bon, c'est ça, moi j'ai trouvé. Ok. Donc tu sais tirer avec ça et il faut casser obligatoirement pour sortir. Ah oui, par contre, ouais. Ouais, ouais. Ah merde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ouf. Bon, est-ce que vous voyez le trou que je viens de faire là? Je viens de faire un trou en plein milieu dans le sable. Là. Cherchez-le. Il doit pas être très loin des trous de. Ou voilà, bon, il était là. Voilà. Donc c'est ici maintenant qu'il y aura le nouveau trou. Sauf que là, j'ai pas assez d'échafaudage quoi. Alors, soit je monte avec du sable, ce que je trouve. Putain, sans déconner. Ah, il va falloir tout péter, mais du coup j'ai cherché des échafaudages en fait, et de la cobble. Il faut de la cobble. J'ai des échafaudages, pardon. Mm-hmm. T'as pas la cobble par contre. Si. Ah, c'est maintenant que tu me le dis quoi, putain, j'ai cherché la cobble quoi. Bon, allez. Donc, c'est bon. On va faire une belle ligne d'échafaudage, et du coup on va... T'as tout recouvert de l'autre côté, il n'y a pas de... J'ai fermé. Ah, les sables qui sont en dessous, déjà, ça c'est pas terrible non plus, mais enfin... Bon, c'est pas grave. Un petit coup de terre. On va prendre ça. Et déjà, ça aussi, c'est nettoyé. Donc ça, c'est le bon truc de la vidéo. C'est qu'on est tranquille. On est tranquille et ça va être clean. Voilà. Ici, là, je sais pas ce qui a été foutu. Là. Qui c'est qui a fait ça, ici, là? Trop de cobble. Arrêtez avec cette cobble de merde, là. Vous en avez fait deux, ça? Non, il n'y a qu'une. Vous avez fait de la cobble tout le long. Putain, c'est une blague. Quel salaud qui a posé de la cobble tout le long. Ah. Vu qu'il y a que toi qui a travaillé dedans. De quoi ça? Alors, la cobble jusque là, je suis d'accord, pour aller jusqu'ici. Et après c'est fini la cobble. Après c'est 100% terre, ou sable, enfin comme vous voulez, mais... C'est au milieu de la sable, parce que j'avais pas de sable. Ouais, du sable ou de la terre, enfin, ça m'est égal. Voilà, juste vérifier que j'ai assez de sable sur moi, j'en ai 4, donc du coup on va en poser 4. Tant qu'à faire, on va faire ça propre. Voilà. Voilà, il vient connu. Donc ça c'est bon, les échafaudages du coup, on a... T'as réussi à refaire les... Tu les as refait ou pas? Tu les as parfait? Ah si, c'est bien. Nickel. Voilà. Ok, bon, ça c'est bon. Maintenant il nous reste à boucher tes entrées que t'as fait là. Voilà, ça c'est fait. On bouche le trou ici. Oui, donc du coup, maintenant qu'une seule entrée, on fait pas deux entrées des deux côtés hein, pour repasser aux étages, sinon on n'est pas rendu. Voilà, et donc du coup, je vais pouvoir déjà manger parce que j'ai faim. Voilà, ça c'est fait. Ça, on peut boucher là, là et là. Mettre des planches. Voilà. Petite torche, sinon ça va spawn, ça c'est sûr. Là. Petit coin pas éclairé là, boum. Ça c'est bon, ce coin-là est fait. Pareil de l'autre côté. Par souci d'uniformité, je sais pas si ça se dit comme ça, on va faire ça. D'uniformisation. On va faire ça. Ah, il y a un truc qui me plaisait pas là. Quelle maniaque. Ah bah attends.
Moi, je fais les choses jusqu'au bout. Hein. Et t'as posé un bloc de. Un bloc de pierre fondue, là. Hein, de pierre de stone, quoi. Là. Non. Voilà. Il était là. On a un beau mur, tu vois, c'est exactement notre maison. Il n'y a plus, en fait, qui a posé le sol à cet endroit-là, qui a terminé de poser le plafond, même à l'extérieur. C'est quasi fini. Parce qu'à l'extérieur, du coup, là, c'est pas terrible, terrible, hein, TVH. Je t'en prie. Bah, il faudrait que tu me donnes des blocs que tu as, et puis... Après, il y a juste à remplacer, tu vois, toute la longueur. Je sais pas ce qu'il faut pour le plafond. Ça, c'est pas la mort. Toi, t'as réussi à poser des... C'est ça comme ça. Effectivement, sur les côtés, c'est pas mal. Voilà, donc nous avons notre baie vitrée, qui est magnifique. Et il n'y a plus qu'à, bah, y a plus qu'à déjà profiter de la vue. Hein. Vous avez vu, on est dans l'eau, donc là, on voit les poissons là-bas. On voit les poulpes. On a une superbe vue. Et tu vois, 4 de haut, c'est pas trop. Hein. Je m'en doutais un petit peu, vu la longueur de la pièce. Je me dis que ça allait faire très crado. Et là, du coup, on est parfait. Donc je vais te laisser terminer la sandstone, parce que la sandstone, c'est assez facile à faire. Un petit peu long, mais facile, et on a assez normalement. Vu tout ce qu'on a creusé. Voilà. Ce que je vais faire ça. C'est juste pour dire que c'est là, parce que sinon on va pas le voir. Et voilà, donc du coup on va aller voir, tiens, vite fait à l'extérieur, puisqu'on est là. Allons voir ce que donne cette baie vitrée. Alors tu vois, vous dites que ça se voit. Alors c'est quoi, j'aurais même envie de la changer en fait, TVH. Pas changer quoi? Changer la sandstone en fait. Ah. Ouais, finalement j'aurais pas. Ah bah attends, parce que par contre là on a un autre problème, c'est que j'ai du sable normalement à poser. Attends, comment ça se présente? Oui, c'est ça, c'est du sable. Ouais, faut déposer du sable. Bon, ça on le fera en vidéo parce que sinon ça va être terrible. Ça va être chiant à faire. Ouais, tu vois, il y a juste une couche, tu vois. Soit on modifie ça, effectivement, tu mets. Mais le problème c'est que ça va pas se voir. Modifie quoi? Le truc poli là. C'est comment sur le côté? Ah oui, d'accord, ok. C'est poli. Ouais, mais tu vois, ça va se voir. C'est comme ça. Mais je sais bien, j'ai bien. Alors, du coup, les viewers, tiens, vous allez choisir dans le. Ou là, on met du sable tout court là-dessus. Ouais, mais le problème, c'est que si on pète un truc, après, c'est la merde. Non, faut mettre quelque chose qui tienne et qui bouge pas. Donc, ouais, on va mettre ça. Ok, bah, dans ce cas, mets la poli, effectivement. Ok. Pour que ce soit plus joli de l'intérieur. L'extérieur, en fait, ça va pas trop sort, parce qu'on va être très peu à l'extérieur. Donc voilà, tu mets la poli, juste une rangée, hein, pas deux, hein, juste une rangée, tout le long, à droite, à gauche, là. Je pense que c'est bien. Voilà. Vous direz ce que vous en pensez, mais voilà, quand on arrive, vous avez vu, on voit la baie, c'est sûr, parce que forcément, c'est éclairé. Mais c'est plutôt bien intégré, en fait. Hein. Ah, par contre, là, il y a de la cobble. Oui, c'est parce que tu vas remplacer, d'accord. Okay. Voilà. Le bois derrière, on peut pas le changer, on va le laisser comme ça. Le bois, non, c'est bien. Ou alors on vire la dernière colonne de verre et on met de la sandstone à la place. Ouais, mais du coup ça nous fait une vue sur le côté qui est pas négligeable. Bon, on va laisser ça comme ça, on va réfléchir plus tard, parce que sinon on n'est pas rendu. Il fait nuit, de toute façon, TVH. On va aller dormir. Nous on a fait le principal. Il faut qu'on cuise absolument en fait de la pierre. T'as continué à faire ça? Parce que du coup, 15 blocs, comme je t'ai dit, il faut 120 charbons. 120 charbons, c'est 2 stacks, quoi. Donc en fait, tout notre charbon, il va partir rien qu'à cuire ça. Putain. Ça me fait chier, cette histoire-là. Ouais, ça paraît pas, hein, mais le sol, vous avez vu que c'est indécent. Hein. Les murs, qu'est-ce que j'ai fait, là? Les murs, ça va? Voilà. Je dois arrêter ma peine, mais c'est pas grave. Les murs ça va, mais alors le plafond et le sol, mais c'est une horreur quoi. Qui c'est qui reste? Rick. Non, il est parti. Ah c'est bon. C'est toi qui es parti? Ah c'est Rick en fait qui est avec moi, d'accord, ok. Non, je suis là. Ouais, d'accord, ok. Autant pour moi. Bon, donc du coup je vais faire l'inventaire vite fait du bois. Voilà, donc il reste 2 stacks, hein, c'est ce que je vous avais annoncé déjà. 2 stacks et 12. Voilà, plus ça. Donc, ouais, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Ça, on sait pas trop, c'est pas la mort. Voilà. Ok, donc du coup, on va se laisser ici, les viewers. Ce qu'on va faire hors vidéo pour pas que vous oubliez ça, parce que sinon ça va être super chiant pour vous. On va déjà terminer le sol. Il y a des chances qu'on fasse ça encore une fois sur 4 niveaux. Alors, j'imagine que pour les animaux et les plantes, c'est moins problématique.
C'est mon problématique parce que du coup le sol on va pas le poser. Alors regarde le plafond oui, mais le sol on le fait pas. Le sol ça va être de la pelouse. Il va falloir qu'on descende de la pelouse, tu sais. Alors soit on a une silk touch pour descendre l'herbe, parce qu'il va en falloir pour les moutons et puis bah potentiellement pour le pour la canne à sucre qui peut pousser aussi sur du sable, je crois. Et puis oui. Et puis c'est tout en fait. Ouais, au final, on n'est pas obligé d'en avoir en fait pour les plantes. Par contre, du coup, si on met un étage, ça c'est notre niveau, que l'étage du dessous c'est les plantes et que c'est encore l'étage du dessous pour les animaux, il va falloir qu'on le fasse maintenant la pelouse pour qu'elle descende. Hein. Oh, on a Silk Touch. T'as Silk Touch, hein. Mm-hmm. Elle est où ta Silk Touch? Elle est dans le coffre depuis le début, premier épisode. Et c'est une pelle? Oui. C'est pas vrai. Ah, si, une pelle en or, Silk Touch que j'ai vu. Ah, ouais, mais une pelle en or. Elle va péter quoi, surtout quoi. Non, tu passes un enclume avec une pelle en or classique. Quand elle va péter. Attends, quoi? Tu peux la transformer en or en classique? J'ai pas compris. Bah, si tu utilises une enclume pour réparer ta pelle en or enchante avec une pelle en or classique, ça devient ta pelle en or enchante, mais réparée. Selon les PV de la pelle en or qui est utilisée. Ça la répare en fait, c'est tout. Oui, ça n'arrête pas, mais ça consomme une pelle en or. Ouais, tu vas me dire, une pelle en or, c'est qu'un lago d'or. Hein. On peut pas la transformer en pierre, en métal. Non, tu peux pas changer. Juste aller essayer ça comme les viewers, parce que ça pourrait nous arranger d'avoir une pelle. D'avoir un bloc comme ça. Donc juste essayer, je vais donner un coup dans la terre. Il y a déjà des zombies qui sont là, TVH. Donc, on va l'utiliser. On va plus bourrer. Putain, c'est instant et je l'ai, hein. C'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Ok, bon, je vais pas l'user plus que ça. Je sais pas, on aura combien de coups. Combien on peut voir le nombre de coups? Ah, durabilité 31 sur 32. On a 32 blocs. Ouais. Il y a d'autres blocs qu'il nous faut, qui seraient nécessaires que de l'herbe. Mycélium. Le mycélium, ça donne pas du mycélium, en vrai? Si, ça se propage. Alors, je vais le mettre dans le truc de blocs. Jamais qu'on le casse pas. Hein. Alors, il y en a qui vont dire que c'est du cheat, je suis sûr. On va oublier. Ils vont dire, c'est quoi ce bloc? Je supprime. Bon, les viewers, vous avez vu qu'il est là. Hein. Si jamais il disparaît, parce que quelqu'un dit, oh là, il y a un cheat, je sais pas quoi. Déjà, on appelle la police, c'est important. Et ensuite, on se le regivera pour ceux qui pourraient se poser la question. Évidemment, on va pas le regiver 10 fois. Hein. Pourquoi se regiver? On a l'appel, on s'en fout. Oui, mais l'appel, on va user. Attends, un rock à 32 coups. Hein. Mais on répare comme je t'ai dit. Oui, je sais, mais... Bref, c'est pas excellent comme idée non plus. Pourquoi t'as viré le... Ah oui, parce que... Ok, la sonde, par contre, elle a pris une claque. Bah, bien sûr. Ah, tu c'est pour le moment, le truc cool. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est plus qu'une, effectivement. Il n'y en a plus d'autres dans les coffres, là-bas, là. Attends, t'as consommé tout la... Attends, sans déconner. Attends, ah, ouais. Et là, le plafond, il finit ou pas? Non, non, un petit peu, là, j'ai pris le reste. Eh merde. T'as ce qu'il faut pour terminer, quand même? Normalement, oui. Ouais, bah du coup, c'est là. Je mets ça me semble. Eh, ça veut dire que les autres étages, on les fera pas en... comme ça. Hein. Eh, faudra faire en n'importe quoi, mais on pourra pas. Y'a pas moyen de transformer la sandstone, enfin le sable en sandstone, non? Si, bien sûr, mais c'est coûteux. Ouais. C'est quoi, il faut le chauffer? Non, il faut juste l'assembler, mais c'est, je crois, 4 pour 1. Ah oui, ouais, non, c'est pas la peine. Ça va pas trop être la peine. Ah tiens, bah là, il y a la cobble qui disparaît, là. Comment ça se fait qu'il y a la cobble qui disparaît? C'est Rick pour son projet spécial. Oui, peut-être. Ah non, moi j'utilise la cobble que j'ai minée. D'accord. Bon, j'ai pas touché à la cobble. Eh, je n'accuse rien, Rick. Je t'assure, je n'accuse absolument rien. Ok, et eh ben du coup, j'ai déposé la table de craft que j'ai enlevée et que j'ai pas remise. Non, j'aurais pas assez de sandstone. Ok, et eh ben soit on le fait avec le sable, parce qu'il t'en manque combien? Beaucoup. T'as pourquoi j'arrive pas à descendre là? Je tiens entre 2 stacks et demi, 3. Putain, ça veut dire qu'il nous faudrait 12 stacks de sable. Ouais, ça. Ok, bah on va compter si tu J'ai fait même pas la moitié avec 2 stacks. 8, 9, 10, 11, 12, 13 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, donc 15 fois 13, ça nous fait
Ce 220, 215, c'est pas ça? 15 x 13, non, excuse-moi, je te dis une connerie, ça fait 195. C'est ça? Ouais, c'est ça, 195. 195, donc ça te fait 3 stacks et 3. Voilà, donc 3 stacks et 3, si tu dis qu'il y en a 4 de consommer, ça fait 12 stacks. 12 stacks et 12. Je sais, j'ai encore compté vite, mais si je me plante pas dans les calculs, ouais, 12 stacks de sable. Sauf qu'on les a pas les 12 stacks de sable. Pourquoi j'entends un squelette? On les a les 12 stacks de sable? Ah bah tiens, il y a un vendeur qui est là, tiens. Oui. On a les 12 stacks de sable, ok. Il n'y en a pas d'autres autre part, non? Ouais, mais là, on consomme tout le sable, en fait, ça fait chier, quoi. Bah on a 12 stacks. Ouais, enfin... Oui, enfin, il nous reste plus que 40 en fait là. Et il t'en reste 26 grave, au passage. Sable, partout. Il t'en reste 26 là au passage. Ne crafte pas tout, il en reste 26. Hein. Pas trop de sans dessous, s'il te plaît, ça nous arrangerait. C'est du sable. Non, parce que 26 de sans dessous, ça équivaut à 2 sacs de sable. 2 sacs de sable, moi ça m'arrange de les avoir, les 2 sacs de sable. Parce que là, 40, on fait plus grand chose avec. Hein. Tu prends une petite pelle, c'est bon. Ouais, mais j'ai pas envie de défoncer le sol en fait, c'est plutôt pour ça que ça m'inquiète. Non, mais tu peux faire un désert. Ouais, bah, t'as un désert dans le coin. Bon, bref, on va donc terminer ça les vieux hors vidéo. Voilà, vous avez vu que la vue, ce sera ça, c'est le principal. Et encore une fois, nous, on va juste préparer peut-être l'ascenseur de Rick qu'on va remettre là, je sais pas encore comment on va faire. On va réfléchir. On va réfléchir, voilà. On va réfléchir à ce qu'on va faire. De toute façon, pour vous, ce sera. J'espère qu'à la prochaine vidéo. Ou à l'une des suivantes, en tout cas on va pas revenir sur le sujet, mais je pense qu'on aura terminé la maison à un moment. Et ce qu'on va faire, c'est préparer la descente, parce qu'il va falloir préparer une descente, oui, pour les animaux. Donc l'ascenseur ne va pas être bien, Rick, hein, l'ascenseur. Si on fait descendre les animaux, forcément il nous faut un escalier, truc un peu plus... C'est quoi les dimensions de la zone de descente? Alors, normalement c'est 9 sur 9. On a une zone de 9 sur 9, en fait, où on peut descendre. Pas plus, après ça va devenir indécent, j'ai pas envie d'utiliser un truc. On pourra faire des escaliers. Ouais, des escaliers, ouais, bien sûr. Ouais, des escaliers avec... genre... on va se débrouiller, mais un escalier de 2 de large, quoi. Il manque 2 blocs. Un escalier en colimaçon de 2 de large, ça peut nous faire du 7 sur 7. Donc du coup, on a un de marge. J'ai une connerie, je suis fatigué, là. Ouais, j'ai dit une connerie, ça fait un petit peu plus. Bon, bref, c'est pas le sujet. J'espère 7 par 7, si j'ai bien compté. Mais normalement, du coup, 9 par 9, on est tranquille. C'est juste que ça va être compliqué, en fait, de bien équilibrer l'escalier pour qu'il soit bien clean. Parce que je sais qu'on peut le faire facilement. Avec un 2 sur 2, ça va marcher nickel. Enfin, un 4 sur 4, pardon, ça va marcher nickel. Ah, un 5 sur 5, peut-être qu'il nous faudrait, ouais, c'est ça. Histoire qu'il reste centré par rapport au poteau, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? On fait un 5 par 5? Comme ça reste centré. On garde le, tu vois, le limite, l'ascenseur au milieu là, le truc qui est au milieu. Et comme ça, on pourra descendre. Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, t'essaies de compter le nombre de. Oui, là où c'est. Ce serait comme ça. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. 4 de chaque côté, ouais. Donc, on pourra faire 4. Un bel escalier. 3, 4. Oui, mais ça, attends, ça c'est le maximum. On va pas faire un escalier de la mort, ça va être moche. C'est bon. Si on peut faire un truc un peu plus petit, ça m'arrangerait, moi, tu vois. Bon bref, à voir, on va en reparler, encore une fois, nous on va terminer ça, et puis on va se reprendre dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.